Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo. Vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle histoire. Une histoire de chevalier. Ouais, mais de chevalier un peu particulier. Il s'agit de Coco Panache. Coco a découvert au grenier une grande boîte en carton. Dans cette boîte, il y a quelque chose dont il rêve depuis longtemps. Un costume de chevalier. Coco enfile la tunique, puis il met le casque et saisit l'épée. Je suis parfait, se dit Coco. Il me manque juste un cheval. Je vais en chercher un tout de suite. Il n'y a pas un seul cheval à l'horizon. Mais Coco aperçoit au loin son ami Paluchon qui dort devant sa maison, comme d'habitude. Bonjour Paluchon. Paluchon ouvre un œil. Je suis un chevalier, dit Coco. Est-ce que tu veux bien être mon cheval Ton cheval demande Paluchon. Mais je suis un chien. Je sais bien, dit Coco. Mais ça ne fait rien. On dira que tu es un cheval. Ah bon, dit Paluchon. Alors d'accord. Coco enfourche sa monture et ils se mettent en route. Qu'est ce qu'on va faire? demande Paluchon. On va faire ce que font les chevaliers, répond Coco. On va attaquer l'ennemi. Quel ennemi? demande Paluchon un peu inquiet. Le grand méchant loup, déclare Coco. Celui qui mange les enfants. Paluchon s'arrête net. Le grand méchant loup? Mais tu es complètement fou, c'est bien trop dangereux. Si c'est ça, je rentre à la maison. Bon, bon, dit Coco, oublions le loup. Nous allons attaquer Madame la vache. Madame la vache, mais pourquoi? Parce que c'est un monstre. Regarde comme elle crie après ses enfants. C'est normal proteste Paluchon. Ils sont insupportables ces petits veaux. Ils font des bêtises du matin au soir. Si tu veux attaquer une brave mère de famille, moi, je rentre. Bon d'accord, soupir coco. Oublions madame la vache. Nous allons attaquer cette vilaine souris. La petite, là, s'étonne Paluchon. Mais c'est Josette Tutu. Les souris sont des sales bêtes, explique Coco. Elles se faufilent dans les maisons et elles grignotent dans les placards. Paluchon se fâche. Josette Tutu est une très gentille petite souris. Si tu oses lui faire du mal, tu auras affaire à moi. Et je rentre pour de bon. Alors, demande Paluchon, qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas encore, dit Coco. Il faut voir. Tu permets que je fasse un petit somme, en attendant Ah non, gronde Coco. Tu ne vas pas dormir. Tu oublies que tu es un fougueux cheval de bataille. Si tu veux, tu peux brouter un peu d'herbe. Paluchon fait la grimace. Non, merci. Tu vois le seau, là dit Coco. Oui « Un joli saut !» répond Paluchon. Joli « Joli Ce saut a le culot de nous barrer la route. Il est en plein milieu du chemin. Attaquons-le »« Si ça peut te faire plaisir, » dit Paluchon. « Je dois courir ?»« Évidemment !» Paluchon s'élance au petit trot. « À l'assaut !» crie Coco. Il frappe le saut d'un grand coup d'épée. Prends ça gros tas de ferrailles, ça t'apprendra les bonnes manières. Le seau se renverse et son contenu se répand sur le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire crie une très grosse voix. Coco et Paluchon se retournent. Le grand méchant loup se dresse juste devant eux. Il est encore plus grand que Coco ne l'imaginait. Terrifié, Coco s'envole. Il a si peur que ses pattes tremblent. Mon Dieu, se dit il, le pauvre paluchon, le loup va le manger. Je dois voler à son secours. Je ne dois pas avoir peur. Je suis un vaillant chevalier. Coco prend son courage à deux mains. Loup, dit-il, laisse partir Paluchon et prends-moi à sa place. Paluchon est vieux et plein de poils. Ça ne va pas être bon. Moi, je suis encore jeune et appétissant. Je te mangerai volontiers, dit le loup en se léchant les babines. Mais ma femme me trouve trop gros. Elle m'interdit de manger autre chose que des fruits. Pourquoi est-ce que tu crois que je me fatigue à cueillir des murs Coco n'ose pas le croire. Le loup mange des fruits. Ramassez-moi ça, grogne le loup, et après filez. Vous me donnez faim tous les deux. Je suppose que tu es fâché, soupire Coco. Pas du tout, s'écrie Paluchon. Tu es revenu pour me sauver, Coco. Tu es un vrai chevalier. Allez, remonte sur mon dos. Coco était ému. D'accord, dit-il, mais on ne va plus attaquer personne. On n'a qu'à dire que c'est la paix. Ce soir, pour la première fois, Paluchon n'a pas sommeil. Ce n'est pas tous les jours qu'on est le cheval d'un grand chevalier. Et vous, les enfants, vous jouez parfois au chevalier. Et c'est qui votre cheval À demain